Bonjour, comment t'appelles-tu ? Bonjour, donc je m'appelle Chloé, je suis présidente des Jeunes Européens France et on est ici aujourd'hui à Nantes pour le Village Européen de la Jeunesse. Donc il fait partie d'une série de villages qu'on réalise dans toute la France depuis début février pour inciter les gens à aller voter le 25 mai. D'accord, et c'est jusqu'à quelle heure ? On reste jusqu'à 18h, ici 17h30-18h. Qui peut venir ? Tout le monde, tout le monde est le bienvenu. On a du café, on a des jeux pour enfants, on a un petit arbre européen pour nous dire ce que c'est que l'Europe pour les gens, discuter avec les gens, on a d'autres assos qui vont arriver, mettre de l'animation, tout ça. Donc ça va être super, on va mettre l'ambiance à Nantes aujourd'hui. Et pour toi c'est quoi l'Europe ? Pour moi l'Europe c'est un champ d'opportunités où on a la possibilité de faire ce que nous les citoyens on a envie de faire. Il suffit qu'on s'investisse et c'est pour ça que moi je m'investis aux Jeunes Européens pour qu'on construise l'Europe dont on a envie tous ensemble et investir les citoyens dans ce projet-là aussi. Et les Jeunes Européens, c'est quoi alors ? Alors c'est une association transpartisane qui existe dans toute la France et aussi dans toute l'Europe qui rassemble des jeunes de 18 à 35 ans sur les questions européennes. Donc on fait des actions de rue comme aujourd'hui, on va dans les écoles discuter avec les élèves c'est quoi l'Europe, comment ça marche pour faire de la pédagogie et donner les clés de la citoyenneté européenne à tout le monde. Notre idée c'est que si les citoyens comprennent les enjeux, ensuite ils peuvent faire des décisions qui leur conviennent et pas être victimes de certains discours. Merci beaucoup. Merci à vous.